entendu. Hein. Ah, oui. Oh, ça, mon petit Tingo. Bien entendu, il y a quand même. Bon, il y a un risque d'AVC. Oh, l'entrée le dessert, tu comptes pas dans la diète normalement. À tour. 9 kilos. Alors, jeune délinquant. Voilà. Quelle beauté. Eh oui. Quelle beauté, Seigneur. Putain. J'ai mis les plus belles claquettes rien pour toi. Eh, regarde-moi ça. Kevin Klein. Bon, les amis, aujourd'hui, on va se faire un repas de Seigneur avec Fengo. C'est pas encore ce qui t'attend. Mais... Je suis pas là pour rien, bordel. Crois-moi, mon ami, tu vas pas être déçu. On m'a dit, il m'a dit chips. Tu vas pas être déçu. Et des cordons bleus. Ah bah. C'est ce qu'on m'a dit. Tu connais, hein. Là, tout là, tout ça là, ça vient d'un boucher aveyronnais. Donc là, t'as que du lourd. Là, t'as de la rillette de canard avec morceaux de magret. T'as du pâté de tête. T'as du pâté de campagne. T'as de la rosette, du jambon fumé. La bonté du Seigneur. T'as du bon avec du pain frais. Là, on est bien. Oui. On est très très bien là. Hein, un quart de vitel. Important. Voilà. Là-bas, ça cuit. Quand ce sera prêt, quand les braises seront prêtes, on va se mettre de sacrés jolis morceaux là-dessus, crois-moi. Bon. Et là, on est parti pour bouffer pendant 3 heures. Si on s'en meurt pas. Oui, ça, c'est l'entrée. C'est la mise en bouche. C'est de la saucisse sèche, hein. Ça fait bon. Mon péché mignon, c'est vraiment ça. Ah, c'est autre chose que tes barbituriques. Ah bah, Jean-Mariel, pour ceux qu'on la ref. Ça vaut quand même mieux que des barbituriques. Ah oh, ouais. Jean-Pierre Barrier. Ça change des McDo et des triangles, mais sandwich de merde là. Ah ouais. T'es plus sur des triangles là. Je me donne. Chaque fois que je vois une story de pingouin en train de manger, je me suicide moi. Ça va jaloux. Et que ça va, alors les chèvres industrielles sortent du pain à riz. Ah, les flamencus sous vide. Oh, j'ai envie de me tuer moi. Après le Nutella. Ah ben. Important le Nutella. Un jour, je vais tout mélanger. Sur la flamencuche, je vais mettre mes triangles. Avec du... avec du Nutella. J'ai été un enfant sage. Monsieur. Alors, les chiens américains sont peints d'aujourd'hui. Hein? Je suis habitué à plus gros, mais bon. C'est un effort pour aujourd'hui, hein. Ah, regardez. Ça, deux belles côtes d'Aubrac. Voyons voir. On va peser la part de Tingo. Allez, je mise. Bon, à vue d'œil, elle a au moins un bon kilo celle-là. Hein. Tu vois ? 1 kg 269. Ben voilà. Voilà, ça c'est une côte d'homme. On va se régaler avec ça, mon petit Tingo. Hein? Regarde, c'est pas bien juteux, ça? Alors, flatter le gras. Hein? Une bouffe d'homme soja. Il y a un flûtiste, là. J'entends, il y a un gars qui joue de la flûte. Mmh. Et la flûte, elle peut très vite disparaître. J'avoue, c'est insupportable. En plus, le mec, il met même pas. Il essaie même pas de faire les. Non, il juste, il souffle. C'est juste, il y a un trou, ça fait ça. Tu sens qu'il n'y a aucune participation. Tu sais, c'est un jardin qui donne que sur le jardin, donc forcément il y a des enfants. Donc, bah, j'espère que c'est un enfant, parce que là, si c'est un adulte, par contre, c'est un malade. C'est un mec de 40 piges. Tout seul. Il va se prendre 1 kg de barbac dans le coin de la gueule. Il a un cône sur la tête. Avec un cône rouge. Il est 12h et je suis complètement fou. Et en plus, j'ai une grosse salopette. Tada! Alors,
Et voilà, un petit bout, un petit bout de couen. Moi, je reste quand même sur mes putains de triangles. Tu vas voir. Oh, la bonté du Seigneur. Ah, oui, voilà. Oh là 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 là. Une belle aubrac avéronnaise. Magnifique. Elle a été flattée, elle a été nourrie. Avec le frérot. Regardez ce qu'il a offert à Bibi. Oui. Un pavé de saumon. Un mec qui est con, qui connaît rien. Avec un saumon là. On l'a chopé, il a remonté la Seine. C'est du requin baleine. Ouais, là, hey. C'était un saumon marteau. C'est pas rien. Bon, la barbe, elle a pris un coup. Hein, mais... Je vous emmerde. Yeah. C'est ce qui manque à un bon joueur de flûte. Pour accompagner le repas. Hein ? Ah, elle est magnifique. C'est pas à brosse, hein. Putain. J'ai envie de pleurer. Elle est vegan en sueur. Allez, ils sont bien, on y pense même pas. Les vegans en sueur, oh, je la coupe au milieu tellement que je suis un mec dégueulasse. En fait, moi, ce que je me dis, c'est que comme les vegans, il y en a de plus en plus, forcément, il y a de moins en moins de gens qui mangent de la viande, ça se peut qu'au bout d'un moment, ils aient un impact. Donc je me dis, pour chaque mec qui arrête de manger de la viande, il faut que je mange sa part. Tu vois, comme ça, ils font ça pour rien. Ah bah tu oui. On se met tous à manger deux fois plus de viande chaque fois que tu rencontres un vegan. Normalement, ils sont baisés au bout d'un moment, ils, tu vois. Par contre, ce qui est impressionnant, tu sens bien le goût du... Du bois. Du bois. Mmh. Mais du bon bois. Mmh. Tu sens que c'est pas du bois qui a traîné dans l'essence, quoi. Non, ouais. J'espère que t'as faim, hein. Oh, la galette des rois. Oh, qui c'est qui va avoir la fève? Bon, là, c'est... Bon. Là, jusqu'ici, bon, hein, on plaisantait un petit peu. Mais là, c'est sérieux. Là, ça, c'est une tourte. Là-dedans, t'as 1,5 kg de pommes de terre. T'as 750 grammes de chèvre. C'est vrai que normalement, tu peux nourrir deux familles. Pendant 8 ans. C'est-à-dire que, oui, le mec qui est allergique au lactose, faut... c'est pas le moment, quoi. Ouais, c'est pas tout de suite que ça non, se passe. Non, ouais, non, c'est... Faut attendre un peu, ouais. Parce que... Voilà. Oh. Donc là, bon, bah, donne ton assiette, hein. Un paysanne. Voilà. Oh la vache, l'assiette, elle est... Non, bah, attends. Là, il n'y a que des fibres. Là, il n'y a que des vitamines, maintenant. Qu'est-ce que tu veux foutre avec ça? Bah, il faut le manger. Bien sûr, mais... C'est sûr que c'est pas fait pour être coupé. Normalement, c'est fait pour être mangé en une fois, hein, évidemment. Eh bon, moi, je pars... Non, mais quand... Oui, ce que j'allais dire, tu vas l'attaquer de l'intérieur, à mon avis. C'est soit ça, soit je te dis, soit tu le manges en pain pita. Mais les bouts. Parce qu'il y a une chèvre à l'intérieur. Il y a un champ de patates. Non mais voilà, non, c'est ça. Non, mais faut savoir que les patates ne sont même pas coupées. Elles sont coupées. Tu exagères. La patate, elle est entière. Bon, vraiment exceptionnellement, je t'en laisse un petit peu. J'en voudrais pas, mais bon. Faut éviter de gâcher quand même. Bien sûr. Par contre, c'est bon. Par contre, c'est vraiment bon. Bon, je t'avouerai que j'ai pas compté les macros au niveau calories. Là, on doit être bien là. Je pense que déjà avec la viande d'avant, t'as ton taux de protéines normalement pour deux jours. Après là, au niveau des glucides, bon, là, un kilo et demi de pommes de terre, faudrait compter, tu divises par deux. 750 grammes de pommes de terre, bon. Cuit au four. Deux fois 280 grammes de pâtes. Plus le 500. Ouais, plus y a plus la charcuterie. Ah oui, on met l'entrée. Oui. Ah, parce qu'il faut compter l'entrée dans les macros maintenant. Bah oui. Non, l'entrée et le dessert, tu comptes pas dans la diète normalement. J'ai toujours entendu ça. C'est un plat combien là? C'est dissocié. C'est régime dissocié, tu vois. C'est que tu le dissocies. T'as l'entrée. Voilà. Le jeûne intermittent. Ah ouais. Voilà. Donc vous ne mangez pas du tout et vous prenez 10 000 calories d'un coup. Et après, voilà. Mais tu fais un jeûne intermittent entre les plats. C'est-à-dire que tu prends l'entrée, un petit jeûne intermittent de 10-15 minutes. C'est ça. Entrecôte, un petit jeûne intermittent de 15-20 minutes. Tourte. Et là, on va faire un petit jeûne intermittent avant les éclairs. Bien entendu, il y a quand même... Bon, il y a un risque d'AVC. Je préviens quand même les gens. Oui, ouais, non. Ça, c'est des rumeurs. Ouais. Où sont vos études? Où sont les études? Attendez, parce que... Où sont les études comparatives? Où sont les cas d'AVC? Je suis désolé, c'est facile d'avancer les choses. Tu vois, la prochaine fois que ta femme, elle te fait des chèvres sur des toasts. Hein? Tu dirais... La tourte. 9 kilos. 9 kilos à la peser, la tourte. Franchement, j'avoue, faudrait la peser. Ouais. Non, mais ça, on n'est pas là pour mentir, mais voilà, la moitié faisait 13,5 kg. Non, n'importe quoi.
Mais voilà, nous on n'est pas là pour dire des faux chiffres. On n'est pas du genre à exagérer. Voilà. Nous c'est la rigueur et la justesse. On n'est pas, pas dans les faux chiffres. Non. C'est pas. Voilà. Déjà, quand on est des gens comme nous qui suivons une diète au macro près, à la calorie près, tu vois, c'est que déjà on est dans la justesse. Faut savoir que pour prendre ce repas-là, j'ai arrêté de manger il y a deux jours, il y a deux semaines. D'accord. Mon dernier repas remonte quand même au 8 mai. Donc voilà, donc c'est pour dire, voilà. C'est ça, c'était un jeûne très très intermittent. Bon. Bon, je crois qu'on va s'arrêter là, non ? Moi, je peux plus, là, c'est bon. Mon esprit est là. Et mon calcif. Déjà, là, il y a une bonne partie qui est partie, hein. Avec les entrecôtes d'avant, enfin les côtes d'avant, là, c'est... Bon. Il voit pas qu'on est blanc ? Après, bon. Par acquis de conscience, on va quand même manger le dessert. Hein ? Parce que bon, ce serait trop dommage. C'est vraiment par acquis de conscience. Bon, regardez-moi. Farandole de... un éclair sur son lit d'alu d'inox. Alors, regarde. Ah bah non, toi, je suis menti, il y a de la viande. Ouais. Il faut 3 heures pour manger un vrai repas. Ouais. Et les gens, ils mangent en moins de 3 heures. À un moment, mangez pas. Non mais, prends un shaker. Je prends pas, que... non mais ouais. En dessous d'un kilo et demi de pommes de terre, est-ce que ça vaut bien le coup de mettre la table ? Sincèrement, quel intérêt de se lever pour pas manger 19 éclairs au chocolat ? Non mais réellement, est-ce qu'il y a un intérêt ? Non mais je veux dire, tu t'es fait chier, t'as mis au moins, tu es allé chercher les couverts, les machins, les couteaux, tu vas mettre la table, la nappe, tout, va falloir que tu te tapes la vaisselle, pourquoi 1h30 de repas ? Non. Et encore, quand je dis 1h30 de repas, il y en a qui font ça, pourquoi ? 30 minutes. 300 grammes de pâtes. Cuit. Oh non, bon alors là, non. Ouais, avec un steak, même pas charal. Je refuse d'y croire. Donc, non, non. Allez. D'ailleurs, ouais, je tiens à dire à Evian. Evian, s'il vous plaît. Ah putain, c'est Vittel. Le mec, il demande un sponsoring à Evian. 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 Justement, justement. L'Evian, elle est pas mal aussi. Bon, Evian, ok. Evian, d'accord, si vous donnez pas un chèque, on sera mal. Mais Vittel, par contre, là, faut faire quelque chose. Les... Bon, bah après, c'est bonne parole. On va s'allumer un petit cigare et puis rêvasser. Abonnez-vous à la chaîne pour d'autres pas de seigneur. Je vous laisse le Instagram et le lien de la chaîne YouTube de Tengo. Allez le suivre. Allez le suivre sur TikTok aussi si vous êtes une gamine de 14 ans qui fait du twerk ou un gamin avec un corps de ficello qui fait du playback raté dans sa chambre. Mmh. Allez suivre Tengo. Et sinon, pour les autres, l'élite. Si vous êtes policier, ne prenez pas en compte ce qu'il a dit pour les enfants de 14 ans. Ça va être sur TikTok, il y a que ça. 15 ans et 3 mois. J'insiste. Allez, ciao. Salut. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si t'aimes ce que je fais et que tu veux soutenir Bench & Cigars, alors abonne-toi et mets un like sur la vidéo. Pour toutes les demandes de coaching et de conférences, c'est sur bench.cigars@outlook.com. Et si tu veux suivre mon actualité sportive, c'est sur mon Instagram. À jeudi prochain.